Voilà, bienvenue à toutes et tous. Avant tout, Majesté, nous sommes évidemment extrêmement honorés de vous avoir présente pour cette session ce matin. Madame la ministre Tellier également, monsieur le gouverneur, madame la bourgmestre également, grand merci pour votre présence, madame la rectrice de l'Université de Namur, madame la directrice présidente de l'EFEC, madame la présidente de l'Académie royale des sciences, qui est présente avec nous aujourd'hui aussi, monsieur le président de l'Union wallonne des entreprises, grand merci pour votre présence, monsieur le président de Shift, à qui je laisserai la parole dans un instant, madame la vice-rectrice, monsieur le doyen, madame la pro-rectrice Transition et Société, chers membres de nos communautés universitaires, de nos multiples communautés universitaires, puisque cet événement touche de nombreuses universités et hautes écoles, mesdames et messieurs, chers et chères étudiantes qui tous portent un t-shirt, on peut le voir, à l'image d'un des objectifs du développement durable. Enfin, cette rencontre a enfin lieu. Les nombreux reports et modifications de modalités pour cause de pandémie n'auront pas eu raison de notre volonté de nous rassembler toutes et tous. Et c'est un réel plaisir et un honneur pour Lucie Louvain, après Anvers et Bruxelles, d'être aujourd'hui le lieu de cette rencontre. C'est un honneur d'autant plus grand que la séance de ce jour a lieu en présence de Sa Majesté la Reine, qui est aussi, vous le savez, ambassadrice des objectifs du développement durable des Nations Unies. Je me réjouis de constater qu'autant d'énergie se déploie autour de la transition. Il y a un mois, ici à l'UC Louvain, nous lancions l'année académique en dévoilant un plan stratégique de notre université qui place la transition au centre des objectifs à atteindre et qui est également porté par la pro-rectrice Transition qui participera à nos débats ce matin. Ce défi de la transition, c'est ensemble que nous allons le relever, que nous le relèverons. Hier, à Bruxelles, en guise d'illustration, a lieu cette très large mobilisation pour une nouvelle marche pour le climat. De nombreuses organisations, plus de 80, près d'une centaine d'organisations y ont participé, mais également, bien sûr, de très nombreux citoyennes et citoyens et de nombreux étudiantes et étudiants qui formaient un cortège de plusieurs dizaines de milliers de personnes, près de 50 000 personnes. Aujourd'hui, à Louvain-la-Neuve, ce sont aussi les étudiantes et les étudiants qui sont au centre, des étudiantes et étudiants en gestion de l'Université de Liège, de l'Université de Mons, de l'Université de Namur, de l'EFEC et également de l'UC Louvain. Ils challengeront le monde de l'entreprise à partir de la question qui est le thème de cette séance que nous avons ce matin. Les objectifs du développement durable peuvent-ils constituer véritablement un levier de transition vers des organisations responsables? Connect, commit, change. C'est la méthode du mouvement de Shift dont l'UC Louvain est fier de faire partie. Nous sommes donc ici pour connect, connecter, commit, s'engager, change, pour changer. La collaboration avec des étudiantes et des étudiants atteste de la détermination des futurs leaders économiques de construire un monde plus durable. La tâche n'est pas simple. Il s'agit de concilier des objectifs parfois antagonistes. Les étudiants peuvent cependant compter sur leur créativité, leur regard neuf, pour changer la perspective, voire aussi bousculer les codes. Tout cela commence par un échange d'idées, comme c'est prévu ce matin pour cette session. Aux côtés de Sa Majesté la Reine, je voudrais souligner la présence parmi nous de la ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être Animal. Grand merci, Madame Tellier, pour être avec nous, aujourd'hui, qui participera aussi aux échanges avec Pierre Mottet, qui est président de l'Union wallonne des entreprises, et la professeure Marthe Nissens, pro-rectrice Transition et Société. C'est vraiment un beau trio qui reflète à la fois le monde politique, le monde de l'entreprise et le monde de la recherche et de l'éducation. Je salue également toutes les personnes qui suivent cette séance en direct sur YouTube. Bienvenue à toutes et tous à l'UC Louvain. Et je cède tout de suite la parole à M. Jacques van der Meeren, président de The Shift. Chère Majesté la Reine, chers tous, Monsieur le Recteur a présenté, je crois, en bonne et due forme tous les représentants dans cette salle. Je ne vais pas
faire la même chose et le répéter. Chers tous et chers étudiants, surtout, c'est un grand honneur de me trouver devant vous aujourd'hui et de vous présenter Sa Majesté la Reine qui se joint à nous aujourd'hui en tant qu'ambassadrice des Nations Unies pour les objectifs de développement durable. Aujourd'hui est le dernier d'une série de 3 rencontres avec des étudiants et professeurs des écoles de gestion et facultés d'économie de Belgique, au cours desquelles nous examinons votre rôle en tant que futur dirigeant de demain pour repenser les modèles d'entreprise en fonction des ODD. En tant que président du SHIFT, je suis évidemment très heureux de voir l'intégration des ODD afin de rendre les organisations aptes à remplir leur mission dans l'agenda d'aujourd'hui. La promotion des ODD et leur intégration dans les stratégies des organisations est l'une des principales activités du SHIFT. Le SHIFT est également le représentant local du World Business Council for Sustainable Development, du CSR Europe et de B Corp en Belgique, est un forum et une plateforme unique qui rassemble un éventail large et diversifié d'acteurs motivés, des entreprises évidemment, administrations, sociétés civiles, ONG, et aussi, et c'est remarquable et même formidable, de plus en plus d'universités. Nous avons définitivement besoin de leur approche et leur connaissance scientifique pour construire des solutions durables. Mais malgré qu'on ait défini des objectifs il y a 6 ans, on est encore loin de les avoir atteints. Le changement climatique est un exemple attristant. Le dernier rapport des Nations Unies sur le climat est dévastateur. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et il n'y a pas de place pour les vœux pieux. Les conditions climatiques extrêmes de cet été, partout dans le monde, avec des conséquences dramatiques, l'ont douloureusement confirmé. Le moment est donc venu de repenser nos paradigmes et de revoir notamment les modèles économiques. Et nous avons besoin de vous pour cela. Car les jeunes sont plus que d'autres conscients de l'urgence sur le climat, la biodiversité, les inégalités. Donc il faut y travailler ensemble, entre générations, mais aussi entre différents stakeholders. C'est ça que fait The Shift. Rassembler les acteurs différents pour collaborer et ainsi avoir plus d'impact. Et vous, en tant que futur dirigeant, vous pouvez avoir un impact important. Vous avez le pouvoir de contribuer à remodeler le monde et vous avez encore la liberté et la flexibilité de le faire. J'ai maintenant le grand honneur et plaisir de laisser la parole à Sa Majesté la Reine. Merci. Excellence, Monsieur le Recteur, chers professeurs, chères étudiantes et étudiants, l'événement d'aujourd'hui me donne enfin l'occasion de reprendre concrètement contact avec le monde universitaire après de très longs mois de confinement et d'événements virtuels. Vous avez dû surmonter pendant toute cette période de nombreux obstacles, tant au niveau académique qu'au niveau personnel. Je suis d'autant plus admirative de tous ceux enseignants et étudiants qui, au cours de l'année écoulée, ont poursuivi leurs études, leurs cours et leurs recherches. Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui sont restés mobilisés pour se motiver, s'encourager et se soutenir mutuellement. Merci d'avoir persévéré dans l'élaboration de votre projet commun et ce jusqu'à son aboutissement aujourd'hui. Faire collaborer 5 universités et hautes écoles pour proposer ensemble des réponses
à la complexité des objectifs de développement durable représentait sans aucun doute un défi inédit étant donné les circonstances. Comme vous le savez, le travail que vous avez réalisé s'inscrit dans le cadre d'une réflexion partagée, menée depuis plus d'un an avec l'ensemble des écoles de gestion et des facultés d'économie. Le but était d'illustrer le rôle des futurs managers dans la transition vers un monde plus durable, mais aussi la formation qui leur est dispensée pour pouvoir répondre à cet objectif. En février 2020, j'étais avec vos collègues des universités et écoles de gestion flamande à la Antwerp Management School. En mai dernier, j'ai pu rencontrer virtuellement vos homologues des institutions d'enseignement supérieur de la région bruxelloise à la Solvay-Bruxelles School. En dépit de certains progrès accomplis depuis l'adoption des EDD, les défis ne sont pas moindres. La pandémie du Covid-19 est venue bouleverser la donne. Certes, une partie croissante de la population connaît désormais, au moins de nom, ces objectifs des Nations Unies. Un peu partout, des projets innovants, une certaine modification des comportements quotidiens et de nouvelles techniques de production traduisent un souci de s'adapter aux exigences de la durabilité. Mais face à l'urgence liée au changement climatique, à l'épuisement des ressources de la planète, au creusement des injustices sociales, nous ne pouvons pas nous contenter de ces quelques avancées. Elles sont à la fois trop lentes, trop modestes et trop disparates. Les ODD constituent un tout. Comment faire progresser rapidement leur mise en œuvre de façon systémique et cohérente? Voilà ce qui doit revenir au centre de la réflexion et de l'action, au moment où s'ouvrent les perspectives de relance dans de nombreux pays. Des chefs d'entreprise, dirigeants et managers n'ont pas attendu pour lancer les premières bases d'une transformation. Nous devons nous en féliciter. Mais très souvent, ils tablent eux aussi sur vous, la nouvelle génération, pour accélérer les changements et les rendre irréversibles. Ils croient en vos capacités d'innovation et en votre créativité, ainsi qu'en votre aptitude à faire fi des idées reçues. À concevoir autrement votre rôle et vos responsabilités dans l'entreprise. La formation que vous aurez reçue, votre conception nouvelle du progrès, vos réflexes différents, votre souci de durabilité économique, sociale et environnementale, tout cela doit continuer à guider votre réflexion et vos actions. Changing the mindset, dit-on en anglais. Il s'agit de changer d'état d'esprit. La qualité et le contenu de l'éducation jouent un rôle fondamental à cet égard, y compris dès le plus jeune âge, mais aussi le dialogue et les échanges. Vous avez l'immense avantage d'être à la fois informé et connecté. Vous pouvez vous inscrire dans un vaste réseau. Des personnes de tout horizon souhaitent mettre leurs idées et leurs propositions en commun pour faire progresser la cause des ODD et de l'agenda 2030 pour une société plus durable. De plus, comme le démontre à nouveau l'événement d'aujourd'hui, des partenariats entre les institutions académiques, le secteur public, le monde de l'entreprise et la société civile sont indispensables pour générer des idées nouvelles, des solutions créatives et des coopérations durables. Mesdames et messieurs, chers étudiants et étudiantes, avant de conclure, je souhaiterais évoquer brièvement un sujet qui me tient à cœur et que la pandémie du Covid a remis au premier plan. L'importance de la santé mentale et du bien-être psychique. Ils font partie intégrante des ODD, ils font partie du développement humain. Nous sommes tous concernés, professeurs, étudiants, dirigeants d'entreprise ou collègues de travail. Le moment est propice pour engager une réflexion
sur les moyens d'ancrer le bien-être mental dans l'éducation et dans le fonctionnement de l'entreprise. Je me réjouis de découvrir avec vous le chemin que vous avez parcouru et de prendre connaissance du résultat de vos travaux ainsi que de vos propositions pour l'avenir. Je vous remercie. Bonjour à tous. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous présente mon co-animateur du jour, Raphaël Roubaud, qui est étudiant à la Louvain School of Management en deuxième année de master en sciences de gestion. Il s'intéresse à la finance internationale. Et par ailleurs, il est également le cofondateur d'une société qui s'appelle Cocoon Cracks et qui aide les entreprises qui désirent obtenir la certification B Corp, qui a déjà été mentionnée par le président de The Shift. Bonjour Raphaël. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Laissez-moi à mon tour vous présenter ma co-animatrice du jour, Valérie Swann, professeure à la Louvain School of Management en responsabilité sociétale des entreprises. Elle préside également l'Institut de recherche en gestion et organisation à Louvain-la-Neuve. Merci. Le 23 mai 2019, nous avons eu la chance, avec plusieurs collègues d'autres universités, de rencontrer Sa Majesté la Reine pour présenter les initiatives d'enseignement et les initiatives pédagogiques mises en œuvre par rapport aux ODD dans nos universités. Aujourd'hui, c'est aux étudiants de nos universités et hautes écoles wallonnes de s'exprimer et de nous faire tous et toutes réfléchir à cette question centrale, les ODD comme outil de transition vers des organisations responsables, mythe ou réalité. Durant ces derniers mois, ils ont lu des articles, ils ont étudié des cas d'entreprise, ils ont interrogé des dirigeants, ils ont visité des entreprises, interrogé des politiques pour faire avancer leurs réflexions. Ils vont nous présenter leur analyse et nous questionner, ou plus particulièrement, ils vont questionner nos trois panélistes qui ont accepté de se prêter au jeu. Donc, Madame la ministre Céline Tellier pour le monde politique, Monsieur Pierre Mottet pour le monde des entreprises et Madame Marthe Nissen pour le monde académique. Merci à vous d'avoir accepté ce challenge. Comme Madame Swann vient de le dire, beaucoup d'étudiants se sont intéressés aux ODD de diverses manières. Aujourd'hui, sont représentés une poignée d'étudiants sont venus les représenter, pardon. En bas de l'estrade, à droite, nous avons Fanny, puis Trésor, Arnaud, Martin, Elisa, pardon, Martin, Lorraine, Grégory, Margot, Meno, Chloé, Axel, Laura. Luna, Axel, Laura, Émilie, Émilie, Maxime et Sabrina. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, normalement, vous avez tous reçu deux cartes, une verte et une rouge, et nous aimerions un peu prendre la température avec vous sur la question centrale qui nous rejoint aujourd'hui. Donc, j'aimerais que vous leviez le carton vert si vous pensez que les objectifs de développement durable sont un outil pertinent pour guider la transformation des entreprises en Wallonie. Si vous ne le pensez pas, levez le rouge maintenant. Oh. Ok. C'est assez clair. Bien qu'il fasse sombre, je ne vois presque que des verts, c'est assez encourageant. Bien, on va voir. J'espère que vous ne changerez pas d'avis, que vous ne passerez pas au rouge après cette cérémonie. Alors, commençons par une première vidéo à propos des visites effectuées par les étudiants de l'EFEC. Ils sont allés rendre visite aux responsables de Yellow Event, une agence de création et d'organisation d'événements plus respectueux de l'homme et de l'environnement, et chez Crédal, une coopérative de placement éthique et de crédit alternatif, sous la supervision de leur professeur Lara van der Stikelen. Donc, on va pouvoir lancer la vidéo tout de suite. Bonjour. Hein, l'événement qui ne pollue pas, c'est l'événement qui n'existe pas. Là, on peut essayer de trouver le meilleur équilibre possible et essayer de diminuer au maximum cet impact qu'on a. Par exemple, en plantant des arbres à chaque événement, en ayant un potager, des animaux, des vignes. On essaye de faire en sorte que les produits qu'on va consommer sur événement, que ce soit tout ce qui va être catering, soit issu d'une alimentation locale. Puis après, il y a tout le côté en interne où nous, on essaye de prendre des matériaux qu'on va réutiliser derrière. On essaye de limiter un maximum nos déchets.
Alors, je ne les connais pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas de quoi on parle. Et, mais j'imagine bien que les objectifs de développement durable, je pense qu'on devait en appliquer la grosse majorité avant qu'ils n'existent sous ce nom-là. C'est-à-dire, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est une philosophie générale. Alors, ben, y a des choses qui sont certainement inapplicables, d'autres faciles, et tout ça dépend de quel contexte. Enfin, on le voit particulièrement dans cette période de Covid. Enfin, c'est des règles complètement inapplicables, ça n'a, qui n'ont plus de sens dans certains contextes. Donc c'est à chacun. C'est pas les entreprises qui ont changé le monde, c'est les gens. Et donc les entreprises, elles sont faites de gens. À partir du moment où on fait confiance dans ces personnes-là et qu'on leur donne la possibilité de le faire, ces changements, ils le feront. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Bienvenue. En fait, déjà depuis 36 ans que nous existons, et d'emblée, les fondateurs de Crédal ont mis les objectifs du développement durable au cœur de leurs préoccupations. Je dirais sans le savoir. En fait, naturellement, on est vraiment. On a commencé nos activités et nos finalités sont tout à fait en ligne avec la grande majorité des objectifs du développement durable parce que nous sommes un acteur financier à vocation sociale, donc vraiment qui travaille sur la croissance économique, mais qui met toujours l'humain au cœur des préoccupations et du modèle économique, la lutte contre la pauvreté, j'en ai parlé, l'égalité, puisqu'on a un programme d'entrepreneuriat féminin. Donc en fait, la majorité des objectifs du développement durable sont déjà inclus dans la vision des fondateurs depuis l'origine, et puis on a diversifié notre gamme de produits et services pour mieux répondre aux besoins sociaux. On a vraiment beaucoup réfléchi à la fois au moment où on a démarré Change et tout au long de notre processus d'investissement, parce que c'est vraiment une question qu'on se pose à chaque dossier qu'on reçoit pour se dire, tiens, est-ce qu'on veut investir dans ce projet? Comment on évalue l'impact positif du projet dans lequel on veut investir? On s'est rendu compte au sein de Crédal qu'on faisait une majorité des crédits auprès d'hommes et qu'il y avait très peu de femmes qui venaient. Et c'est sous cette forme-là qu'on a décidé de créer un parcours spécifique d'accompagnement pour les femmes. Programme qu'on a fait évoluer, qui s'appelle à l'origine Affaires de femmes, femmes d'affaires, qui s'appelle aujourd'hui Gender Hits. Nous faisons du conseil auprès des acteurs de l'économie sociale, donc les ASBL, les ONG, les coopératives. Très vite, on s'est rendu compte que les acteurs qui venaient chercher du crédit chez nous, ben, de temps en temps, ils avaient besoin d'un bon plan financier, un plan de trésorerie, un tableau de bord économique. On s'est très vite mis à répondre à ces besoins-là en créant petit à petit un pôle au sein de Crédal qui est vraiment du conseil et de l'accompagnement en projet d'économie sociale. Pour Crédal, la finance n'est pas qu'un mal nécessaire, mais c'est vraiment un outil d'inclusion et de solidarité. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors Arnaud, on te voit dans cette vidéo, tu es toi-même étudiant à l'EFFEC et tu as participé à cette initiative. Qu'en as-tu retiré comme enseignement et quelles questions voudrais-tu poser à nos panélistes? Alors ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'en fait dans les deux entreprises qu'on a été visitées, aucune des deux volontairement ne mettait les objectifs de développement durable concrètement sur papier au sein de leur entreprise et que c'était vraiment intuitif pour eux d'aller dans le sens des objectifs de développement durable. Et donc... ça rejoignait ce que Pierre Lebrun disait de Yellow Heaven, c'était que ce n'était pas les entreprises qui vont changer le monde, mais c'est les gens qui les composent, et c'est ce qu'on a pu voir dans les différentes vidéos. Et donc je m'adresse à Madame Tellier, à Monsieur Mottet. Que mettez-vous concrètement en place afin d'accompagner les entreprises qui souhaitent une transition plus écologique et durable pour tendre et vraiment se rapprocher des objectifs de développement durable? Donc c'est certainement une des choses importantes pour les entreprises, et je pense que ça a été bien montré dans le film. Les entreprises, a priori, sont des gens comme vous et moi. Comme vous dites, elles sont constituées par des gens. Et toute cette dynamique d'essayer d'intégrer les dimensions, elles sont présentes. Comme Union Wallonne, on essaye de faire en sorte que, si je peux dire, on change le titre de développement durable mythe ou réalité en développement durable du mythe à la réalité. C'est vraiment important de passer du concept qui est encore mal connu à une réalisation pratique
et on essaye d'aider les entreprises d'abord à bien comprendre. Hein, 17 objectifs, 169 indicateurs, a priori, ce n'est pas une mission facile d'essayer de bien faire comprendre ça à tout le monde. Par contre, ce que je trouve phénoménal dans les objectifs de développement durable, c'est que pour moi, pour la première fois, l'humanité a mis sur la table une roadmap en disant, si on veut faire attention à tout ce qui est important pour la vie sur Terre, voilà une vision complète avec des KPI, avec des objectifs de suivi. Je me retourne vers vous là, mais moi, j'attends avec impatience que tout accord gouvernemental, on mette ces 17 objectifs sur la table et que les partis se disent où est-ce que je fais mes arbitrages dans la législature qui vient. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi sur ce point-là. Et donc, pour aider cette compréhension à percoler à travers les entreprises, il y a un gros boulot d'information aujourd'hui. À l'Union Wallonne, on a commencé par mettre, comme SDG Voice, certains concepts en place, certains contacts, prendre des contacts avec les entreprises, mettre un site web, que je vous invite certainement à aller voir, parce que je pense qu'il est extrêmement bien fait, pour donner une inspiration aux entreprises de le développement durable et ses 17 objectifs. Quand vous êtes entreprise, dans la pratique, ça peut se traduire comment? Et il y a tout plein d'exemples qui sont maintenant mis à disposition des entreprises wallonnes, avec une cellule dédicacée où on va essayer d'amener les différentes entreprises à progresser dans leur compréhension. Oui, bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Mais je suis assez d'accord avec l'idée de roadmap. Je pense que c'est effectivement l'intérêt majeur de ces ODD, c'est de nous donner une grille de lecture, une espèce de checklist qui nous permet de vérifier que les activités que nous menons, que ce soit le modèle économique d'une entreprise, un événement particulier, une activité quelle qu'elle soit, s'inscrit bien dans cette vision qui est finalement une vision très sensée du développement humain. Qui ramène la question du sens. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel de se dire, tiens, on est là, pas uniquement pour faire du profit, pas uniquement pour gagner sa vie, mais vraiment pour avoir une activité qui fasse sens pour le bien-être collectif. Et je pense que c'est vraiment essentiel, c'est que progressivement, on a eu, durant ce dernier 20e siècle, une augmentation très importante du progrès individuel, avec une société du bien-être aussi qui est apparue très très forte, etc., et des biens et des services à l'échelle individuelle qui ont vraiment progressé. On doit aussi, durant ce 21e siècle, faire progresser les droits et les progrès collectifs. Et je pense que cette feuille de route ODD, elle nous sert vraiment à ça. C'est nous sommes une partie de l'humanité, nous faisons partie d'un collectif plus grand. Et donc, à cette échelle-là, nous devons aussi, nous, faire notre part pour aller vers plus d'égalité, plus effectivement d'épanouissement, de prospérité pour tous et bien sûr de respect de la planète. Donc je pense que là, on a un rôle fondamental à jouer à tous les niveaux parce que nous sommes plus que la somme de nos parties. Nous sommes plus qu'une somme d'individus. Nous faisons ensemble un collectif qui, forcément, va avoir beaucoup plus d'impact. On parle souvent des actes individuels, notamment dans le cadre des changements climatiques. Ils sont évidemment essentiels, mais ils ne composent qu'une partie de notre impact, de notre responsabilité par rapport à l'empreinte écologique, si je ne prends que celle-là, mais les ODD, c'est bien plus largement que l'environnement. Et donc, se rappeler aussi qu'en tant qu'entreprise, en tant qu'institution, en tant qu'organisation, en tant qu'université, nous avons effectivement un impact qui est bien plus important que la somme des impacts individuels. Je pense que c'est vraiment essentiel. Merci, Monsieur Mottet, Madame Tellier, pour vos réponses. Je vais inviter maintenant Elisa de l'UNAMUR à poser une seconde question en lien avec la vidéo que nous venons de voir. Et vous pouvez répondre de manière succincte. Merci. Comme on a pu le voir dans la vidéo, en fait, il y a deux situations qui sont très différentes. Donc on a d'un côté un entrepreneur qui ne connaît pas au final réellement les ODD, mais qui dit agir en faveur dans son entreprise. Et de l'autre côté, on a des étudiants qui ont toute la connaissance théorique qu'ils ont appris à l'université, en haute école, mais qui ne savent pas spécialement ou qui peuvent être confrontés à des problèmes lorsqu'il faut l'appliquer dans la pratique. Et donc je vais m'adresser à Madame Nissen et Monsieur Mottet pour vous demander justement, au-delà de l'université et des hautes écoles, comment est-ce qu'on peut éduquer les citoyens pour qu'ils aient justement plus facile à l'appliquer dans la vie de tous les jours. Merci et heureuse d'être là ce matin. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Madame Tellier. Quand on parle de la question du changement climatique, en effet, les actes individuels sont importants. Et on sait que si on était tous et toutes des individus héroïques, ce que je ne suis pas, on ferait 40% du chemin et que les autres 60%, c'est l'ensemble des institutions
qu'elles soient politiques, marchandes ou non marchandes, dont l'université. Alors, bien sûr, dans ces institutions, c'est des hommes et des femmes, dont des étudiants qui ont été formés par les autres écoles et par les universités. Ce qui m'a frappé ici dans la vidéo, c'est de voir la diversité des entreprises. On a vu une PME, Yellow Event, on a vu une coopérative d'économie sociale, je me réjouis, je suis professeure d'économie sociale. Et puis à côté de moi, j'ai ici Pierre Mottet, qui est directeur de IBA, qui est la première entreprise cotée en bourse certifiée B Corp. Et donc ça me paraît extrêmement important, c'est que les étudiants, quel que soit l'endroit où ils arrivent, doivent nourrir ce débat qui relève de l'urgence, que ce soit dans une entreprise, marchande ou non marchande. Et donc, comme une université, notre devoir majeur, bien sûr, est de former ces étudiants, et l'université est en route, les professeurs aussi, et donc c'est vraiment important de leur donner des clés d'analyse, parce que si la vision est claire, le chemin à tracer est compliqué. Et donc, ces questions d'échange de pratiques entre entreprises de nature différente est extrêmement importante. Oui, je pourrais peut-être rajouter quand même que toutes les passerelles qui existent entre l'université et le monde de l'entreprise sont extrêmement intéressantes. Tous les stages, les mémoires, etc. Sont une manière, quand on a été certifié B Corp, le travail exploratoire qu'on a fait, on l'a fait avec des étudiants en disant, au fond, B Corp, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on le devient ? Où est-ce qu'on pense qu'on est ? On a pris des étudiants en stage qui nous ont apporté tout l'input qui se développe dans les universités aujourd'hui et qu'on forcément ne suit pas de la même manière. Et je pense que les étudiants sont sortis de là avec une compréhension un peu meilleure de oui, mais dans une entreprise, ça se passe comment et comment est-ce qu'il faut avancer là-dessus. Donc je pense qu'il faut continuer ces ponts-là. La Fondation pour les générations futures aussi, ici à Namur, essaie justement d'avoir des étudiants qui partent dans des mémoires, dans des directions conformes aux objectifs de développement durable, que les entreprises d'ailleurs sponsorisent. Toutes ces passerelles-là, je pense qu'il faut vraiment continuer à les poursuivre. Ok, merci beaucoup. Continuons notre réflexion sur ce volet enseignement. Que retiennent nos étudiants des travaux qu'ils réalisent autour des objectifs de développement durable ? Sur ce sujet, nous allons écouter la vidéo préparée par l'Université de Mons sous la supervision des professeurs Cécile Godefroy et Perrine Ferroge. La question de base du projet était comment implémenter les ODD dans les entreprises. On a commencé par voir que 72% des entreprises en font mention dans leur reporting annuel, mais qu'il était vraisemblable que, parmi elles, certaines fassent du ODD washing, qui consiste à s'intéresser à plein d'ODD, mais en n'y prêtant pas une attention particulière. On s'est aussi intéressé à quels étaient les ODD les plus représentés dans les entreprises et pourquoi c'était ces ODD-là spécialement. Et on en a déduit que c'était sûrement dû au fait que ces ODD-là étaient facilement implémentables pour une entreprise qui vient de n'importe quel secteur d'activité et qui souhaite se tourner un minimum vers les ODD. A contrario, on a remarqué que certains ODD n'étaient pas trop présents et que c'était dû à leur spécificité et à leur difficulté d'être mis en place dans tout type d'entreprise. On a donc réfléchi à quels moyens les entreprises pourraient mettre en place pour tenter de représenter ces ODD qui sont assez difficile à implémenter, et on a donc fait des suggestions pour les ODD qui concernent la vie terrestre, la vie aquatique et l'assainissement des eaux. Comment implémenter les ODD dans son entreprise ? Pour commencer, il faut sélectionner quelques ODD en lien avec l'activité de l'entreprise et les classer par ordre d'importance. Le tout en veillant à ne pas en sélectionner trop afin de ne pas se retrouver débordé. Après cela, il faudra fixer des objectifs précis et évaluer l'impact qu'auront ces derniers. Et pour veiller à leur bonne réalisation, conscientiser les travailleurs est essentiel, ce qui est possible en faisant appel à des organismes extérieurs tels que la méthode ED. Il peut également être opportun de créer une charte d'entreprise afin de ne pas perdre de vue ses objectifs. Pour terminer, l'entreprise devra publier régulièrement des rapports sur base de référentiels ou de normes afin de prouver qu'elle s'engage bel et bien à respecter les ODD qu'elle a sélectionnés. Et pour cela, elle peut faire certifier ses rapports par des sociétés externes. Mais pourquoi donc s'engager à respecter des ODD ? Eh bien, certains d'entre eux sont directement liés à la santé économique de l'entreprise. Et c'est aussi un bon moyen d'améliorer la réputation.
Toutefois, certaines entreprises prétendent participer aux ODD sans le faire réellement. Ce phénomène s'appelle l'ODD washing et il est très important de ne pas tomber dedans. La carte représente le chemin à parcourir pour la réussite de l'implémentation des objectifs de développement durable. Cependant, le chemin est semé d'embûches qui pourraient décourager plus d'une entreprise. Avant de pouvoir se dire « je veux implémenter les objectifs de développement durable dans mon entreprise », il est important de se renseigner sur le sujet. Cependant, le nombre d'objectifs complique cette recherche. La dissociation peut parfois complexifier cette envie de les implémenter. Ensuite, il est possible que l'entreprise agisse déjà envers certains ODD. Il faut qu'elle se pose les bonnes questions dans l'objectif de pouvoir, par la suite, venir compléter son projet et de ne pas passer à côté d'un ODD. Après cette étape, l'entreprise peut se concentrer sur de nouveaux objectifs. Cependant, un nouvel obstacle apparaît, l'intégration. Il est difficile de se limiter à un nombre réalisable d'ODD, et surtout en accord avec le corps de métier de l'entreprise. Le choix étant maintenant fait, l'entreprise pourrait penser qu'elle est arrivée au Graal. La cohérence et la concordance entre ceux-ci peut être difficile à établir. À présent, la stratégie peut être établie en vue d'atteindre les objectifs définis. Finalement, cette entreprise peut communiquer fièrement sur son chemin parcouru. Martin, tu es étudiant de l'UMONS, on t'a vu dans le deuxième poster. Est-ce que tu peux nous expliquer le message que tu retiens finalement du travail que tu as réalisé dans ce cours et enchaîner avec la question que tu aimerais poser à nos panélistes ? Eh bien, dans l'ensemble, j'ai trouvé ce cours et le travail par extension qu'on a dû réaliser vraiment très intéressant parce qu'au final, ça m'a tout simplement permis de prendre conscience déjà de l'existence de ces ODD ainsi que de leur importance. Et quand j'ai été sélectionné pour participer à cet événement, je me suis alors rendu compte que beaucoup d'autres établissements du supérieur avaient également prévu des initiatives d'enseignement en lien avec ces ODD. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Seulement, voilà, après tout ça, ce que je regrette un peu, on va dire, c'est que c'est de n'avoir été au courant de ces ODD que maintenant, surtout quand on sait leur importance dans le monde de maintenant. Et donc, voilà, je pense peut-être qu'on n'est peut-être pas assez incité à prendre conscience de ces ODD dans notre vie. Et je pense qu'on peut peut-être aller plus loin dans ces initiatives d'enseignement. Et justement, là, j'aimerais m'adresser à Madame Tellier ainsi qu'à Madame Nissen. Et j'aimerais justement vous demander qu'est-ce qui est possible pour justement aller plus loin dans ces initiatives. Quel rôle peuvent jouer au final les politiques ainsi que les entreprises dans leur promotion et leur encouragement? Par exemple, pourquoi ne pas commencer ces dernières, non pas uniquement à partir du supérieur, mais à partir par exemple du secondaire, voire même du primaire? Ou encore, pourquoi ne pas, à la place de l'ancien service militaire, par exemple, proposer à tous les citoyens un service socio-écologique? Voilà. Vous avez des bonnes idées, effectivement. On pourra en discuter avec ma collègue en charge de l'enseignement à la Fédération. Ce sera très intéressant. Mais moi, je vous rejoins tout à fait sur l'intérêt de pouvoir faire percoler cette vision le plus tôt possible. Alors évidemment, ça reste une feuille de route qui est relativement abstraite. Donc, il faut faire ça en primaire, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais par contre, je reviens sur la question du sens. Elle est vraiment essentielle parce que on remarque aussi dans les demandes des travailleurs, M. Mottet pourra peut-être confirmer, à quel point les travailleurs aujourd'hui ne demandent pas uniquement un salaire, demandent vraiment d'avoir un travail qui donne du sens, qui donne du sens à leur vie, en plus de respecter un équilibre vie familiale, vie professionnelle. Ce que, en tant que ministre, je vous ai dit qu'il n'est pas évident, mais ce n'est pas l'objet. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça vraiment intéressant que cette feuille de route puisse être communiquée plus tôt, parce qu'effectivement, ça permet d'orienter aussi des trajectoires individuelles pour les uns et les autres qui se diraient ben, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas trop par où commencer et comment avancer là-dessus.
Par rapport à la question de l'enseignement, il faut se rappeler que l'université a trois grandes fonctions, la recherche, l'enseignement et aussi un service à la société. Et je pense que les trois fonctions de l'université pourraient être davantage mêlées encore pour faire percoler les recherches, notamment les recherches en matière de transition, Madame Nissen connaît ça bien mieux que moi, qui nous permettent de travailler sur les freins concrets à cette transition à l'échelle des individus, à l'échelle des organisations, pour les faire percoler aussi dans l'enseignement et faire en sorte que vous qui êtes étudiants et bientôt directement travailleurs, vous puissiez aussi avoir ces clés de lecture, ces outils pour pouvoir être outillés dans votre action de tous les jours. Je voulais insister également sur un point très important qui est de refuser le négationnisme climatique. On a vu hier dans les rues à nouveau une mobilisation très importante dont je me réjouis de la population par rapport à cet enjeu. Et malheureusement, on a encore trop souvent, alors moins qu'il y a quelques années, mais il y en a encore, ce qu'on appelle effectivement des négationnistes climatiques qui nient une réalité scientifique qui aujourd'hui dit, et c'est le rapport du GIEC qui le dit encore cet été, que l'activité humaine a un impact qui est sans équivoque sur le réchauffement climatique. Je pense que c'est important que au niveau des universités, il y ait un travail qui continue à taper sur ce clou-là parce qu'on a encore parfois, malheureusement encore, des personnalités parfois très actives aussi dans la sphère médiatique qui continuent à nier cette question-là. Voilà, je ne vais pas être plus longue, comme ça je laisse Madame Nissen aussi réagir. Merci pour votre interpellation. Donc moi, je vais partir de l'expérience de l'université. Donc à l'UC Louvain, nous avons un plan transition qui a été co-construit avec la communauté universitaire et qui est articulé autour de trois dimensions. L'enseignement, la recherche et les campus durables en articulation avec l'écosystème. Et comme vous le disiez, Madame Tellier, c'est très important d'avoir une imbrication de ces trois dimensions. Alors du point de vue de l'enseignement, nous avions fait une enquête auprès des étudiants et on s'est rendu compte qu'en fait, trop peu d'étudiants, et plutôt en fin de parcours, avaient une sensibilisation aux ODD, aux questions des inégalités, aux questions du réchauffement climatique. Et donc nous avons comme objectif ambitieux d'amener toutes les personnes qui sont en charge de programmes d'études dès le niveau de bac, de voir comment ces questions peuvent être insérées dans leur programme. Alors ça peut être un nouveau cours, ça peut être des nouveaux modules. Et quel que soit le département ou l'école, alors bien sûr, il y a un travail qui est fait en gestion et je m'en réjouis, mais ce sont tous les secteurs de l'université qui doivent vraiment prendre à bras le corps cette question-là. Et nous avons aussi un MOOC qui a été réalisé par notre comité universitaire, dont le professeur Valérie Swann est une des personnes qui porte ce MOOC, qui introduit aux enjeux de la transition et du développement durable de manière interdisciplinaire. Parce que la question de la transition touche à tous les domaines de la science. Et donc, c'est vraiment important que, quelle que soit notre discipline, on puisse prendre conscience de l'importance des acquis aussi scientifiques pour faire avancer la connaissance et surtout pouvoir se frayer un chemin vers une société plus durable. Voilà, un grand merci pour vos réponses très complètes. Je suis maintenant invité Fanny de l'Université de Liège à s'exprimer sur ce qui vient d'être débattu, car c'est assez en lien. Merci. Donc j'aimerais m'adresser encore à vous, Madame Nissen. Vous avez parlé d'avoir des cours, la transition dans les hautes écoles. Est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose qui serait pertinent d'ajouter un cours ou peut-être vraiment d'appuyer sur ces objectifs de développement durable dans l'enseignement et que ça fasse partie de la culture générale dans l'enseignement supérieur pour vraiment avoir un impact vu que les étudiants sont les citoyens de demain qui vont travailler régulièrement Voilà, donc c'est un peu en lien avec la question avant, mais de manière peut-être plus concrète. D'accord. Bon, la première chose, quand on a commencé la réflexion, on s'est dit qu'il y a certains acquis qui devraient être intégrés dès le cursus secondaire. Donc, connaître son empreinte carbone, ça fait partie de toute formation citoyenne. Et je dois vous dire que moi, il y a 2 ans, je ne la connaissais pas. Et donc vraiment, cette réflexion doit s'initier très tôt dans le cursus des cours et de l'enseignement. Alors du point de vue de l'université, on a vraiment laissé une grande souplesse aux responsables des programmes. Dans certains cas, il y a des nouveaux cours. Je pense à l'EPL, où il y a chez les ingénieurs, il y a un nouveau cours qui introduit aux enjeux de la transition pour un ingénieur. Dans d'autres facultés,
ils prennent plutôt une approche transversale, disant ce n'est pas qu'un cours qui doit aborder ça, mais c'est vraiment une question qui doit être attaquée par différents angles. Et donc, ça a plusieurs professeurs qui doivent prendre cette tâche à bras le corps. Et donc, c'est très important, c'est d'avoir cette vue systémique. Ce n'est pas l'affaire d'un professeur, c'est l'affaire d'une responsabilité de programme. Et donc, ça me semble extrêmement important. Merci beaucoup. Alors, les étudiants font bien plus qu'écouter simplement ce qu'on leur dit par rapport aux EDD en cours, notamment les étudiants de l'Université de Liège qui s'activent sur leur campus. Je vous invite à visionner la vidéo qui a été réalisée sous la supervision de Cécile Van de Weert. Au Green Office de l'Université de Liège, nous poursuivons un rêve commun. Celui de voir notre communauté étudiante réduire d'environ 50% son impact carbone d'ici 2030, soit environ la non-émission de 6 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an, et ainsi suivre les objectifs de l'accord de Paris. Pour cela, nous proposons une série de challenges adressés aux étudiants. Nous voulons croire en un avenir plus propice pour eux, les voir épanouis et en bonne santé. Nous en avons fait une motivation quotidienne dans notre équipe. Voici comment nous allons faire de ce rêve une réalité. Nous aimons l'image d'un chemin, un chemin que parcourons tous ensemble. Ensemble, car les challenges seront adaptés à tous les profils de notre communauté étudiante, à ceux qui réalisent déjà des efforts au quotidien afin de réduire leur impact, ou à ceux qui sont déjà dans cette nouvelle aventure. Les challenges concerneront nos habitudes de la vie quotidienne, que ce soit notre mobilité, nos achats ou par exemple notre alimentation. Nous voulons vraiment avoir un impact. C'est pourquoi nous avons décidé de suivre une démarche scientifique à l'aide d'un expert qui, pour chaque challenge, a calculé les économies carbone que nous allons réaliser. Les challenges ont été pensés par et pour les étudiants. En mars dernier, nous avons organisé un hackathon afin de réfléchir à la communication autour de chaque challenge et de proposer aux étudiants des idées concrètes pour les aider à les réaliser. Ce moment d'échange entre animateurs, étudiants, experts, tous passionnés, a été apprécié de chacun. C'est un plaisir d'être à la fois acteur et créateur de solutions. Afin de rassembler la communauté de 25 000 étudiants, l'université a mis à disposition une plateforme numérique collaborative. C'est un peu comme un réseau social avec des actions en faveur de 17 objectifs de développement durable. L'étudiant découvre les challenges au fur et à mesure du programme. Après avoir terminé le challenge, il le valide et enrichit ainsi son profil d'économie carbone. Il voit non seulement son impact, mais également l'impact cumulé de toute la communauté. Et ça, c'est vraiment motivant pour les étudiants. Pour vous donner un exemple concret, lorsque vous mangez des aliments locaux, donc qui ne viennent pas par avion ou par bateau par exemple, vous économisez environ 170 kg de CO2 en moyenne par an. Lorsque vous prenez ce chiffre à l'échelle de la communauté étudiante de l'Uliège, avec les 25 000 étudiants, l'impact est d'autant plus important. Pourquoi les petits gestes comptent? Non seulement pour leur impact direct, mais également pour un changement plus global. À travers ces petits gestes, nous changeons nos habitudes de consommation et nous avons un impact individuel. Mais nous avons également un impact sur notre communauté qui nous regarde et en discute. Petit à petit, cela conduit à un changement de culture. C'est un signal très fort pour nos politiques et nos entreprises qui peuvent amplifier le mouvement. La mise en place de nouvelles habitudes de consommation, c'est découvrir et créer une nouvelle façon de vivre en accord avec les objectifs de l'agenda mondial. Mais c'est surtout une aventure riche d'apprentissage où chacun avance selon ses envies et selon son rythme vers un but commun. Au cœur de ce projet, trois objectifs de développement durable. La santé, la consommation responsable et la lutte contre le changement climatique. Avançons ensemble vers 2030. Alors Lorraine, on te voit très active dans cette vidéo sur ton campus. Alors explique-nous un petit peu ce qui te motive dans cette initiative et ce que cela t'apprend sur le thème de notre débat du jour. Alors bonjour. Alors ce qui me motive, c'est qu'on prenne enfin en compte la vie des étudiants. Comme nous voulons de le voir dans la vidéo, nous développons au sein de l'Université de Liège une expérience pionnière où nous mettons les étudiants au cœur du combat. C'est ça qui me motive vraiment. Ensuite, ce que ça m'apprend, c'est que le défi de réduire notre empreinte carbone peut être réalisable. Et d'ailleurs, ce projet
Ce projet a été lauréat du concours des Nations Unies Campus 2030 en juin dernier. Et cela nous motive encore plus car ça veut dire que les autres aussi pensent que notre projet en vaut la peine. Alors, ma question est alors la suivante. Que pensez-vous, comment, Madame Tellier et Monsieur Notet, pourriez-vous nous aider afin de soutenir une action étudiante d'intérêt général? Mais d'abord, félicitations, parce que franchement, c'est vraiment très gai, très enthousiasmant de voir le dynamisme dont vous faites preuve et la volonté de changement. Donc ça nous nourrit aussi et ça nous donne de l'espoir. Et tout en sachant, et je tiens à le préciser, qu'on ne doit pas faire reposer la responsabilité d'un changement uniquement sur les futures générations ou les générations que vous êtes. D'ailleurs, on a vu avec les inondations de cet été que les changements climatiques, ils sont déjà là, ce n'est pas pour demain en fait, c'est aujourd'hui, c'est déjà là, on est déjà à 1,1 degré de réchauffement planétaire et on sait que malheureusement aujourd'hui les engagements des États nous amènent vers une voie qui n'est absolument pas raisonnable puisqu'on va être plutôt aux alentours des 3 degrés si on fait que les objectifs qui sont actuellement ceux des différents États. Donc on doit clairement revoir ceci. Donc on l'a fait à l'échelle de la Wallonie, à l'échelle du fédéral ou de Bruxelles. On s'aligne sur les moins 55% d'émissions de CO2. Mais très clairement, maintenant que cette ambition elle a été clairement revue à la hausse, on doit aussi enclencher les plans d'action concrets. On est en train de le faire, notamment dans le cadre du plan de relance. Mais en disant ça, je ne réponds pas à votre question. Donc je pense qu'on peut évidemment soutenir les étudiants à plein de niveaux, vous donner aussi des soutiens, qu'ils soient symboliques ou financiers parfois pour mener un certain nombre d'actions. On le fait, je vais prendre un autre milieu qui n'est pas le milieu universitaire, mais par exemple dans tout ce qui est camp, scout ou pas trop, etc., orienté vers le zéro déchet, on subventionne par exemple les jeunes qui veulent s'orienter vers ces camps-là et ça marche du tonnerre. Donc là, on peut donner un coup de pouce vraiment financier, par exemple, pour aider. On a des relais avec les SDG Voice, dont parlait M. Motet tout à l'heure, qui sont vraiment des ambassadeurs des ODD un peu partout dans la société et donc aussi qui peuvent être un acteur avec lequel vous êtes en interaction pour des stages ou d'autres choses, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de leviers qui sont possibles à l'échelle politique pour vous aider aussi dans des actions concrètes. Et ne fût-ce qu'aujourd'hui, mettre en valeur aussi votre action, c'est aussi une façon, bien sûr, de le soutenir. Donc félicitations pour cette action et pour le prix que vous avez reçu aussi, qui est bien mérité. Oui, je vais sûrement embrayer dans la même direction. C'est peut-être que ce que nous, on peut faire, c'est de rendre cette magnifique initiative plus visible et plus connue. On a des communications régulières sur ce qui peut se passer sur le sujet et peut-être certainement participer au suivi, à l'après-projet, comment ça va se passer, comment ça va se poursuivre après. Je voudrais aussi certainement rebondir sur ce que vous disiez en disant c'est vraiment une problématique qui implique tout le monde. On met certainement les jeunes générations devant. Enfin, quand même, on en est aujourd'hui à 500 000 morts prématurées en Europe de pollution. Et ces 500 000 morts prématurées, ce n'est pas les jeunes générations. Ce sera plutôt la mienne. Et donc, il faut vraiment unir tout le monde. Majesté, je vous remercie vraiment de toujours mettre le focus et le projecteur sur cette démarche, qui est une démarche globale, qui implique tout le monde. Et je voudrais aussi rebondir sur votre suggestion, puisque la ministre va en parler à sa collègue de l'enseignement. Les valeurs du développement durable, pour moi, c'est le bien vivre en société. On reprend 17 angles sur le bien vivre en société, et plus tôt on les met sur la table des gens, plus on peut espérer avoir un sens civique qui se développe. À une période où on a perdu un peu l'institutionnalisation de cette intégration, et on voit de plus en plus de gens qui tombent à côté de la route. Et donc je pense en effet que le message que vous portez de dire commençons à faire ça plus vite, plus tôt, c'est vraiment important, et de le mettre à tous les niveaux, comme vous le faites à Liège, ici au niveau universitaire, de pouvoir le dupliquer à toutes les étapes. Voilà, quelle belle énergie, plein de belles initiatives. Je vais inviter maintenant Axel à rebondir là-dessus et à poser sa question aux panélistes. Donc bonjour. Comme on a pu voir dans la vidéo, il est vraiment nécessaire d'avoir une mobilisation de tous les acteurs pour atteindre ces objectifs de développement durable.
Donc, ma question est pour Madame Nissen. Comment faire pour mobiliser, quelles sont les clés pour mobiliser tous les étudiants, les entreprises, partenariats, surtout que souvent, elles aimeraient bien suivre leurs propres objectifs, leurs propres contraintes. Comment faire pour les mobiliser ? J'ai envie de vous dire la chose suivante. C'est vous qui nous mobilisez, sans mettre la responsabilité sur vos épaules, comme ça a été dit. Si nous avons, bien sûr, la question du développement durable, par exemple à l'UCLouvain, Louvain, est sur la table depuis bien longtemps, mais si on a un pro-rectorat de transition, c'est parce que les jeunes ont été dans la rue. Vous êtes exigeants et vous avez raison d'être exigeants par rapport à vos professeurs. Donc vraiment, je vous invite à continuer de faire entendre vos voix. La question de la mobilisation est extrêmement importante et elle foisonne. Nous avons la chance sur le campus de Louvain-la-Neuve, mais pas uniquement, d'avoir des cotes à projet. Cotes à projet, nous en avons une dizaine qui se sont réunies dans une plateforme transition, bien avant qu'il y ait une pro-rectrice à la transition. Donc c'est souvent les jeunes qui sont à l'avant-garde. Et donc pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une alliance avec des étudiants pour comprendre la manière de mobiliser. Parce qu'une chose, c'est de se dire, ben, oui, il faut mobiliser, mais comment ? Et donc ce dialogue avec ces mouvements étudiants est extrêmement important. Alors je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, le premier bilan carbone de l'UCLouvain Louvain a été fait par un étudiant. Je n'ai jamais vu un mémoire autant circuler dans les instances. Il vient de sortir maintenant le premier bilan du numérique et a été fait aussi par un étudiant. Et donc j'ai envie de vous dire, soyez audacieux, interpellez-nous, sachant que, bien sûr, nous, les générations qui ont plus de cheveux gris, ont une responsabilité majeure, mais vous êtes important dans votre interpellation, dans votre mobilisation, parce que vous serez les acteurs de demain dans les entreprises, qu'elles soient marchandes ou non marchandes. Et donc, c'est extrêmement important de continuer cette mobilisation de manière constructive. J'aimais beaucoup, au début, on a dit quel était le commit, connect, oui, connect, commit, exchange. Je trouve que c'est une devise extrêmement intéressante. C'est s'engager pour changer. Et donc, vraiment, je vous invite à continuer à vous engager et à nous interpeller. Merci, Marthe. Les entreprises ne fonctionnent pas dans un vide juridique. Donc, la prochaine vidéo va effectivement porter sur le rôle du politique. Et donc, je vais inviter Grégory à introduire la vidéo réalisée par l'UCLouvain Louvain. Grégory s'intéresse aux objectifs de développement durable sous l'angle du rôle du politique. Tu es donc l'un des 4 étudiants qui sont allés interroger nos représentants du secteur public. Peux-tu nous en dire un petit peu plus en introduction de la vidéo qui va suivre ? Alors oui, tout à fait, Valérie. Donc, avant de vous diffuser la vidéo qui traite du rôle des politiques dans la promotion et l'adoption des objectifs de développement durable auprès des entreprises, quelques petits éléments qui ne se retrouvent pas dans la vidéo à proprement parler. Donc, tout d'abord, nos deux intervenants s'accordent à dire que leur rôle premier en termes de politique est d'accompagner les entreprises dans cette transition vers la durabilité. Ça passe notamment par la traduction de ce cadre conceptuel à portée globale vers des objectifs plus locaux, plus concrets, qui fédèrent l'ensemble des secteurs. La cohérence ainsi entre ces actions des politiques, donc du monde plus public, et du monde privé, donc crucial. Et enfin, les actions de volontarisme, dont parlera le ministre Borsu dans la vidéo, tels que le service citoyen, doivent permettre de nourrir cette conviction dans l'utilité des objectifs de développement durable, notamment afin que les personnes employées dans les entreprises ne constituent pas un frein à la transition, mais soient plutôt des moteurs de changement. Et donc, le choix du politique semble a priori de soutenir et de promouvoir ces objectifs de développement durable, même si en filigrane, bien entendu, il y a aussi des règles, des balises qui visent à contrer les comportements néfastes qui vont à l'encontre de ces objectifs. Donc je vous laisse maintenant découvrir la vidéo. Bonjour Monsieur Borsu. Bonjour. Monsieur le ministre, permettez-moi, en nos noms à tous les deux, de vous remercier d'avoir accepté cette invitation pour pouvoir parler des objectifs de développement durable. En cette période de Covid, c'est encore plus prégnant, tant où la durabilité est à son paroxysme. Alors, quand on parle de développement durable, on fait souvent référence aux objectifs de développement durable, qui sont au nombre de 17. On parle généralement d'ODD. Nous allons vous poser plusieurs questions. Les leviers que nous pouvons raisonnablement mettre en place sont importants, bien sûr, pour permettre cette démarche, quelquefois pour la déclencher. À l'inverse,
évitons de subsidier des démarches, des investissements qui iraient à l'encontre de ces objectifs. Ça me semble la cohérence minimale. Mais dans le monde en général, dans le monde qui est le nôtre notamment, il convient aussi qu'il y ait des balises, c'est-à-dire des règles. Et ces règles doivent petit à petit, bien sûr, évoluer en lien avec nos objectifs communs, nos objectifs sociétaux. Qui dit règle, dit aussi, bien sûr, sanction si la règle n'est pas respectée. Les objectifs de développement durable étant très ambitieux, ils nécessitent l'implication de tous les acteurs économiques dont les gouvernements font partie. À ce titre, réfléchir au thème de manière globale en abordant à la fois les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, en les réfléchissant dans une perspective d'analyse de cycle de vie et donc de globalité sur les impacts et les activités qui ont lieu sur toute la planète. Et puis, pour nous, c'est aussi de mettre en capacité toutes ces organisations à intégrer le développement durable dans leurs activités. Donc, nous allons développer des outils pour les entreprises privées, c'est certainement l'objet du jour, mais aussi pour les pouvoirs locaux, pour les jeunes, pour les autres administrations publiques régionales qui sont moins outillées peut-être que nous dans cette transition. On a identifié un certain nombre de cibles qui sont plus parlantes pour les entreprises wallonnes. Et pour chacune de ces cibles, on a proposé une liste d'actions exemplatives qui peuvent inspirer les entreprises qui ont envie de se lancer dans des actions très concrètes de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Par ailleurs, on est aussi en train de développer un outil qui s'appelle le Business Model Canvas Durable, qui va être aussi un outil de création d'entreprises qui intègre les enjeux de développement durable. On a décidé d'accompagner une trentaine d'organisations, dont des entreprises privées, à l'aide d'un coach, pendant un an pour élaborer une feuille de route de transition vers les objectifs de développement durable. Et donc, dans fin 2021, on aura le bilan de cette initiative et si elle est positive, on la relancera de manière peut-être plus ambitieuse encore les années suivantes. Et puis pour terminer, il y a une autre initiative qui est plutôt portée par les chambres de commerce qui va proposer en Wallonie un outil de certification aux objectifs de développement durable pour les entreprises. Et donc on essaye de proposer un ensemble d'outils qui vont aider les entreprises selon le niveau d'engagement ou le niveau de maturité qu'elles ont dans cette transition vers un développement durable. Voilà, le SPW, c'est vraiment aider les entreprises. Et puis, il y a aussi, évidemment, des outils de financement qui sont à disposition des entreprises. C'est important. Lorsqu'on analyse les indicateurs, même s'ils sont imparfaits pour certains d'entre eux, même s'ils sont nuancés quant à leurs indications ou à leurs résultats, je pense que ça va dans le bon sens. On doit poursuivre à travers vraiment l'ensemble de ces actions à tout niveau de pouvoir. Ça va des entités locales, communales, des villes qui prennent pas mal d'initiatives, le secteur associatif, les différents mouvements jeunes, moins jeunes. Ça passe aussi par les pouvoirs publics, ça passe par des actions de sensibilisation, par du volontarisme, j'ai cité quelques exemples, dans des projets très concrets, des stratégies qui sont concertées, qui sont cohérentes, qui sont conceptualisées et qui sont accompagnées dans leur mise en œuvre. Ça passe aussi, bien sûr, par des objectifs très précis que l'on se fixe et qui sont transparents. Je me réjouis vraiment d'avoir dialogué avec les étudiants et de me rendre compte que dans les écoles de commerce, les jeunes prennent cette question de la transition vers un développement durable à bras-le-corps. Ce sont ces jeunes qui seront dans les entreprises demain, qui soit seront chefs d'entreprise, soit interpelleront leurs managers et vont changer véritablement la manière dont on produit et dont on consomme en Wallonie et dans le monde. Allô ? Ah, parfait. Oui, alors on voit qu'il y a beaucoup de mouvements et de soutien du côté du gouvernement et de politique. En tout cas, c'est une machine qui est en train de tourner. Et du coup, sur ce sujet, j'aimerais interpeller Arnaud pour que tu puisses poser ta question aux panélistes à ce sujet. Merci Raphaël. Alors ma question s'adresse de nouveau à Madame Tellier, à Monsieur Mottet.
Donc on parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises dans nos cours et dans l'enseignement qu'on reçoit. Mais on se questionne vraiment sur la responsabilité sociétale et sociale de l'État. Est-ce que les décisions prises par l'État sont en alignées avec les objectifs de développement durable? Et aussi, dans quelle mesure l'État et les entreprises avancent-ils ensemble vers ces objectifs de développement durable? Merci pour votre question. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette question. Mais d'abord, je voulais remercier Natacha Zuinen, qui, je pense, est avec nous aujourd'hui, qui est la directrice du développement durable et qui, effectivement, avec son service, est vraiment dans une optique d'accompagnement du changement à travers un certain nombre d'actions. Elle l'a évoqué, la certification, l'accompagnement, la subvention, etc., pour vraiment aider les entreprises qui ont envie d'avancer. Et donc ça, c'est essentiel, bien entendu, de travailler aussi avec ceux qui ont envie d'avancer. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger un rôle qui est essentiel, qui est un rôle du politique, de mettre un cadre. Et lorsque les objectifs individuels de ces différentes organisations ne permettent pas d'atteindre collectivement les objectifs que nous nous fixons, je parlais tout à l'heure des moins 55% d'émissions de CO2, mais on peut décliner ces objectifs dans tous les domaines des ODD, bien entendu. À un moment donné, là, le politique a un rôle à jouer. Un rôle qui est celui, pas uniquement d'accompagner, mais aussi de fixer un cadre, de fixer une réglementation, d'utiliser les outils fiscaux qui sont à sa disposition. Le ministre Borsu évoquait le fait de devoir arrêter les subventions, par exemple, à des énergies qui seraient des énergies polluantes. Pour information, pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, le gouvernement fédéral vient justement d'annoncer la fin des subventions aux énergies fossiles. C'est un élément essentiel parce qu'on ne peut pas faire de la main gauche ce qu'on retire de la main droite. Et donc, on doit être cohérent aussi dans notre action politique. Donc, on a différents outils à notre disposition, la réglementation, la fiscalité, l'accompagnement, bien sûr, au changement, la question des subsides, j'en parlais. On a aussi travaillé, et merci aux équipes qui ont travaillé là-dessus, à mettre en place un congrès sur la résilience qui a été lancé il y a quelques semaines et dont les conclusions arriveront au mois de décembre. Je vous y invite d'ores et déjà, où notre objectif, c'est aussi d'avoir des outils avec l'ensemble des administrations pour avoir une vue précise, une photographie de l'état de vulnérabilité de notre région par rapport aux crises qui sont celles que nous vivons aujourd'hui, en matière en particulier de crise environnementale, de biodiversité, de changement climatique. Et on a vu encore cet été que nous étions loin d'être immunisés de ces risques-là. Donc on a un certain nombre de leviers à notre disposition. Je pense aussi que le politique doit jouer son rôle, qui n'est pas toujours un rôle facile, qui est un rôle régulateur aussi, et peut-être que ces dernières décennies, on a laissé un peu trop, alors peut-être M. Motten ne sera pas d'accord avec moi, mais on a laissé peut-être un peu trop la main invisible fonctionner, et à un moment donné, cette main ne peut plus être invisible. On doit pouvoir recadrer les choses, ça ne veut pas dire être anti-entreprise, ça ne veut pas dire être anti, évidemment, développement économique, là n'est absolument pas la question, la prospérité économique fait partie aussi des objectifs de développement durable, mais tout ça doit se faire dans un cadre qui tienne compte des limites de la planète et aussi des limites sociales, d'un certain développement social à atteindre. Et donc, travaillons collectivement ensemble dans ce sens-ci. Et je pense que les ODD sont vraiment un cadre de référence très pertinent pour intégrer les actions des uns et des autres à cet égard. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas pourquoi je serais en désaccord avec vous. On va toujours dire que il faut bien organiser la transition parce qu'on part d'un point A, on va vers un point B. Il faut que ça se fasse en respectant tous les équilibres. Les 17 objectifs sont mis en cause, y compris celui de l'activité économique. Donc il faut le faire de manière intelligente. Je vais dévoiler une partie de notre agenda, mais on a profité d'un aparté pour se dire que comme je suis nouveau président, on devrait se voir prochainement justement pour parler et notamment des indicateurs de suivi qu'ils vont avoir. Et comme Union Wallonne, ben on est aussi, je pense que tout le monde y va faire attention, mais devant ce qu'on a appelé le Green Deal, qui est devenu le plan de relance et de résilience, il y a beaucoup de moyens qui vont être mis sur la table. Une partie de ces moyens sont calibrés sur la transition. Comme Union Wallonne, on va certainement aussi être très attentif à ne pas faire d'effet de saupoudrage comme on l'a fait trop souvent dans la région, et essayer de voir où est-ce qu'on a le plus d'impact en tapant sur vraiment les endroits où on peut faire une différence, essayant de se concentrer dessus. Vous avez relevé différents éléments qui sont possibles.
Mais on a vraiment une opportunité ici. Il faut en tirer le maximum sur les objectifs de développement durable et en particulier ceux qui sont liés au climat et à la transition. Si je peux juste ajouter un tout petit mot, j'ai oublié de le dire et c'est très important, les entreprises aussi viennent challenger le politique positivement en amenant, comme M. Mottet vient de le dire, parfois une certaine rationalité au monde politique qui parfois manque un peu de rationalité. Et donc, nous rappeler aussi effectivement la nécessité de se fixer des objectifs, des indicateurs, d'éviter un saupoudrage. Et donc, on a aussi vraiment besoin, à l'instar des étudiants qui viennent nous challenger, des entreprises aussi qui viennent nous dire, bah, attention, par exemple, sur la transition énergétique, on a besoin d'un cadre clair, d'une vision, et on arrête de remettre ça en question tous les 5 ans. Voilà, c'est aussi un rôle essentiel dans la société que de venir challenger le politique là-dessus. Si je me permets, je voudrais dire 3 choses. La première chose, je pense que les ODD, ce n'est pas le monde des bisounours, et vous le savez bien. C'est une école de la démocratie. Les intérêts des uns et des autres sont parfois conflictuels et non seulement les objectifs sont parfois en tension, mais aussi les intérêts des différents groupes sont parfois conflictuels. Et donc il faut prendre ça au sérieux et discuter et faire des arbitrages. Et ces arbitrages sont parfois douloureux, donc c'est toute la question de la construction de l'intérêt collectif, que ce soit au niveau d'une université, d'une entreprise ou des pouvoirs publics. Donc ça, ça me paraît très important à le dire. Deuxième chose, les actes, les actions volontaires sont extrêmement importantes. La mobilisation des citoyens, des étudiants, des entreprises est-elle un élément clé? Mais sans le rôle du politique, on n'y arrivera pas. Et donc, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Madame la Ministre. Il y a en effet différents, je dirais, instruments de politique publique. C'est la question des incitants, hein, qui sont extrêmement importants. Prenons 2 types d'incitants à des niveaux très différents. Les incitants au niveau de la politique agricole commune, au niveau de l'Europe, on sait que ça a un impact majeur sur le type d'agriculture. Ou bien les incitants à la mobilité, hein, vous connaissez tout le débat autour des voitures de société. Ce sont vraiment des choses qu'il faut discuter. La question des normes aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant on a des normes zéro plastique. Et bien, grâce à une norme, on ne se pose plus la question. Simplement, ces plastiques sont retirés du marché. Et donc vraiment, je pense que c'est très important de ne pas faire reposer uniquement sur le rôle sur des actions volontaires. Alors le politique, c'est nous, hein, mais il y a un rôle majeur à différents niveaux, bien sûr, régional, fédéral, européen. Et donc, la COP26 qui va s'ouvrir dans 2 semaines ou 3 semaines, extrêmement importante par rapport à ces questions-là. Je pense que c'est un parfait enchaînement avec la question que Trésor voulait poser, avec cette dimension plus globale. Oui, merci Valérie. Ma question, en fait, dans cette visée pensée globale, agir local, on l'observe bien que la Belgique, en général, mais plus particulièrement la région wallonne, à prendre de belles initiatives pour atteindre ces objectifs de développement durable. La question, Madame la Ministre, qu'est-ce qui est fait pour inciter ou influencer d'autres États européens, et pas seulement européens, mais aussi d'autres continents, afin qu'ensemble, nous puissions regarder dans la même direction? Alors, Madame Nissen vient d'évoquer la COP 26, qui est donc la COP, la conférence des parties à l'échelle de la planète sur la question du climat. On a l'équivalent sur la biodiversité qui va s'ouvrir tout prochainement avec un momentum en Chine d'ici au printemps prochain. Donc ce sont des moments évidemment essentiels où la Belgique évidemment est un petit pays et la Wallonie est encore une plus petite région, mais où nous pouvons jouer un rôle d'abord au sein de l'Union européenne pour faire en sorte d'avoir une position ambitieuse en la matière, et puis ensuite que l'Union européenne, bien sûr, pèse de tout son poids en tant que leader sur ces questions-là par rapport aux autres régions du monde. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Maintenant, si je me concentre sur le volet européen, je vais vous donner un exemple très très concret. Mercredi, j'étais au Conseil européen de l'environnement, puisque je représente la Belgique pour encore quelques mois jusqu'à l'été prochain, puisqu'il y a une tournante entre les ministres régionaux pour représenter la Belgique. Ça, c'est la particularité belge. Et nous avons obtenu de mettre à l'agenda de ce Conseil européen de l'environnement, donc tous les ministres de l'environnement européens, un point sur des substances chimiques qui s'appellent les PFAS. Les PFAS, on a peut-être entendu parler
suite au scandale en Flandre de l'usine 3M qui produit ces substances qu'on utilise dans une série de produits, notamment des mousses anti-incendie ou dans des vêtements, etc. Ces substances chimiques sont des perturbateurs endocriniens et avec des risques pour la santé des personnes. On a obtenu de mettre à l'agenda de ce Conseil européen ce dossier en demandant précisément une interdiction de l'utilisation de ces produits pour tous les usages considérés comme non essentiels. Et même lorsque l'usage était essentiel, de pouvoir démontrer qu'il n'y avait pas d'alternative, sinon on interdit ces substances. Typiquement, là, comme Mme Nissen le disait, on a à un moment donné, nous, on fait un lobbying au niveau européen en tant que Belgique, et j'ai été ravie parce qu'on a été rejoint par de nombreux pays qui se sont joints à notre interpellation. Donc on a mis, un peu la pression sur la Commission européenne pour avancer. Le commissaire européen s'est engagé à intégrer cette demande dans la stratégie substances chimiques de l'Europe. Si ça aboutit, ça veut dire qu'on va avoir une réglementation qui va s'appliquer non pas à la Wallonie, non pas à la Belgique, mais à tous les pays européens. Et donc on évite une espèce de concurrence déloyale entre des entreprises qui seraient situées sur le sol belge par rapport à d'autres pays. Et on a une réglementation qui est uniforme, qui est valable pour tout le monde. Alors bien sûr à l'échelle de l'Union européenne, mais c'est déjà un sérieux pas par rapport à une échelle régionale. Donc cette échelle européenne, on en parle beaucoup ces temps-ci avec la Pologne qui remet en question des réglementations européennes par rapport à des réglementations nationale, cette échelle européenne est indispensable et en matière environnementale, on voit qu'elle aide vraiment les États à avancer vers plus de durabilité. Et donc, on joue aussi notre rôle pour plaider à cette échelle-là et faire en sorte qu'on ait des règles qui s'appliquent au plus grand nombre quand cela est possible. Et lorsque cela n'est pas possible parce que l'Europe ne veut pas avancer, bien sûr, alors on essaie d'avancer au moins à notre mesure pour tirer, vers le haut l'évolution en la matière. Merci. Merci pour ces réponses très riches et pleines d'espoir. Maintenant, je vais vous inviter à visionner l'extrait suivant qui a été réalisé par les étudiants de l'Université de Namur avec l'aide de Jean-Luc Gustin. Ils ont été voir les entreprises et leur ont demandé ce qu'elles mettaient en œuvre concrètement pour implémenter les objectifs de développement durable dans leurs activités. Je m'appelle Jean-Baptiste. Je viens de terminer mon master en ingénieur de gestion à l'Université de Namur, au cours duquel j'ai eu l'occasion de lancer ma propre entreprise, Briocoli. Briocoli propose aux consommateurs et aux entreprises des produits et accessoires éco-responsables dans le but de les aider à réduire leurs déchets. Elles, ce sont Luna et Elisa. Elles sont étudiantes en Master 2 à l'Université de Namur et ensemble, elles lancent Noisette et Morille. Noisette et Morille, c'est une gamme de produits cuisinés au départ de produits frais et locaux, mais qui sont jugés invendables pour des questions d'apparence. Axel, lui, est responsable des projets au sein de la GEN. La GEN, c'est l'entreprise de conseil créée par les étudiants en gestion de l'UNAMUR. Nous, l'économie durable, on l'a découverte un peu au cours, mais nous avons surtout choisi de la pratiquer dans nos projets de vie. Du coup, nous avons eu envie d'aller voir plus loin, envie de comprendre comment les grandes entreprises s'adaptent aux enjeux liés au développement durable. Nous avons choisi de rencontrer L'Oréal parce que L'Oréal est une entreprise qui accumule les récompenses belges et internationales en matière de durabilité. En 2020, l'usine de Libramont de L'Oréal a reçu le prix de l'environnement de la FEB et a terminé seconde au prix européen délivré par la Commission. Nous voulions donc comprendre en quoi cette usine est différente. À notre arrivée chez L'Oréal, Manon nous fait une présentation de l'organisation de l'entreprise. Il s'agit d'une entreprise gigantesque. Le groupe L'Oréal, c'est 39 usines, 90 000 collaborateurs, plus d'1,5 milliard de clients dans le monde qui consomment plus de 7 milliards de produits. Manon nous explique comment les objectifs du développement durable font partie intégrante du mode de décision. L'Oréal est organisé en 3 grandes divisions et chacune de ces divisions prend à sa charge la réalisation d'une partie des objectifs. La R&D réfléchit à la réduction de l'impact de l'utilisation des produits de L'Oréal sur la consommation d'eau. Le département d'approvisionnement s'assure de s'appuyer sur des productions biosourcées et veille à la juste rémunération des fournisseurs. Les opérations, la division à laquelle appartient le site de production de Libramont, est quant à elle chargée de s'assurer que la fabrication des produits du groupe se fait avec un minimum d'impact sur l'environnement direct de l'usine. Manon nous explique qu'en fait, le site de Libramont est constitué de 3 unités de production. L'usine de produits cosmétiques, une usine de production de méthane bio, gaz qui est ensuite utilisé pour produire de la vapeur et de l'électricité, et enfin, une unité de reconditionnement de l'eau de nettoyage qui permet de recycler l'eau utilisée pour nettoyer les installations de production.
Allez hop, il est temps qu'on s'équipe et qu'on aille se frotter à la réalité d'un site industriel d'envergure. Et de l'envergure, on peut dire qu'il en a ce site, avec ses 45 hectares de terrain couvert par une usine de 50 000 m², soit l'équivalent de 10 terrains de football. L'Oréal y emploie 400 personnes en direct, on y fabrique 770 formules différentes de produits pour un total de 220 millions d'unités sur une année. La première impression, ici, c'est que c'est le paradis de l'automate, qu'il roule, qu'il trie, qu'il emballe, il est omniprésent et il fait le job 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, on a peine à imaginer ce que cette usine consomme comme énergie électrique. 14,5 gigawatts par an, soit l'équivalent de 4500 ménages. Pas surprenant alors que L'Oréal se soit engagé dans un projet visant à produire de l'énergie verte. Thomas nous en parle. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur de projet ici chez L'Oréal. Donc je m'occupe de la station de biométhanisation, donc qui est tout ici. Ici on reçoit des sous-produits issus de l'industrie agroalimentaire. Ils peuvent être solides ou liquides. De ça on fait un mélange. On envoie dans les grandes cuves qui se trouvent là-bas au fond, qui sont appelées des digesteurs, où il y a des conditions bien précises pour le développement des bactéries. Les bactéries vont digérer la matière organique pour générer du biogaz. Le biométhane, lui, est envoyé dans des moteurs de cogénération qui se trouvent chez L'Oréal pour produire de l'électricité et de la chaleur. Après la visite de l'usine énergétique, Claude, responsable de l'environnement, nous présente son dernier bébé, l'unité de purification d'eau. On doit sortir avec une eau qui est parfaitement épurée et qui répond effectivement aux normes qui nous sont imposées par la région wallonne. Et ces normes-là sont notamment décidées sur base du fait que nous, notre spécificité, c'est qu'on rejette en milieu naturel. Donc on a un petit ruisseau derrière la station d'épuration dans lequel on rejette notre eau épurée. Et en ça, puisqu'on rejette en milieu naturel, on a des exigences et des normes qui sont effectivement très sévères sur la qualité de l'eau. Que retenir de tout cela? Quelles conclusions tirer? En tant que groupe, on peut dire que L'Oréal est en marche. Des pas ont été faits et démontrent l'intérêt que L'Oréal porte à la question des objectifs du développement durable. On peut également constater que L'Oréal est un intermédiaire de choix entre des milliers de fournisseurs d'une part et des milliards de clients d'autre part. Cette position permet donc à L'Oréal d'influencer des pans entiers de la société en stimulant par exemple ses fournisseurs à devenir neutres en carbone. L'Oréal influence également ses consommateurs en développant des formules visant à réduire l'impact de l'usage de ses produits sur la planète. Enfin, il ne faut pas non plus négliger le fait que L'Oréal est leader mondial du secteur des cosmétiques. Les choix de L'Oréal vont donc également influencer les stratégies de ses concurrents. En effet, ceux-ci se doivent de réagir aux initiatives prises par L'Oréal, c'est donc l'ensemble du secteur des cosmétiques qui se met en marche. Si, comme M. Mercenier nous le disait, il n'y a pas de recherche d'un payback direct des investissements environnementaux, alors il doit bien exister une raison pour laquelle un groupe comme L'Oréal consacre tant de ressources à la mise en place des objectifs du développement durable. La réponse semble bien être que ce sont les exigences de notre génération de consommateurs qui les obligent à bouger. Alors, Luna, tu as participé à cette initiative, à cette visite de l'entreprise. Et puis, par ailleurs, avec ta sœur Elisa, tu as lancé un projet dans le domaine de l'alimentation durable. Donc, peux-tu nous partager un petit peu les enseignements de cette visite? Alors, cette visite m'a permis de m'identifier à une entreprise que nous avons visitée, mais qui ne se trouve pas dans le reportage aujourd'hui. Et donc, les objectifs de développement durable font partie vraiment du cœur de notre business. Et en fait, sans ces objectifs de développement durable, il n'y aurait tout simplement pas de business avec Elisa, il n'y aurait pas de Noisette et Morille. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on intègre dans notre entreprise et qui fait partie intégrante en fait, de nous et du projet. Question à poser aux panélistes. Oui, donc... ce que je voulais dire, c'était que dans cette vidéo, on observe en fait que des entreprises utilisent explicitement les objectifs de développement durable, alors que d'autres... Donc en fait, ces entreprises ne s'engagent pas dans tous les objectifs de développement durable, mais utilisent plutôt
des ODD qui leur apportent plus en termes d'image, mais ne remettent pas fondamentalement en fait la finalité de leur business en question, alors que d'autres les utilisent plutôt implicitement et et les ODD font partie vraiment du cœur de leur business. Et donc, je me demandais comment on peut expliquer cette différence dans l'utilisation des ODD par différentes entreprises. Ça, je parie que c'est pour moi. mais moi, j'ai bien aimé que vous fassiez votre reportage sur une grande entreprise. Et en effet, du coup, on peut voir le spectre. Parce que plus une entreprise est grande, plus elle est généralement suspectée de greenwashing ou d'OND washing. Et ici, vous avez quand même bien illustré que la priorité qu'on peut mettre, ou la sensibilité qu'on peut mettre est différente. Mais l'opposition qu'on fait entre ODD et entreprise, je pense qu'on a de plus en plus de mal à la comprendre. Moi, j'ai quand même, en tout cas, particulièrement du mal à la comprendre, puisque à la base d'une entreprise, on va essayer de réduire ses coûts, donc de réduire l'utilisation des ressources. Et comme vous le disiez, de plus en plus, les clients mettent ça dans le cahier des charges. Si on veut attirer du personnel dans l'entreprise, on vit dans une région particulière, puisqu'on a beaucoup de chômage, mais aussi beaucoup de métiers en pénurie, et que quand on se bat pour attirer du personnel, on se rend compte que toutes ces valeurs qui font notre valeur à nous tous les jours font partie des raisons pour lesquelles les gens vont ou ne vont pas venir chez vous. Et puis, qu'on le veuille ou non, mais je pense que, comme je disais tantôt, c'est bien, le réglementaire va s'inviter à la table, et anticiper sur le réglementaire, c'est une meilleure gestion des risques. Donc, pour toutes ces raisons, l'entreprise a toutes les raisons de bien s'imprégner des exigences du développement durable. Et plus vous êtes grand, par contre, plus la puissance d'action que vous avez, plus la professionnalisation que vous avez pour le déploiement est importante. Dans un groupe comme L'Oréal, vous avez en effet des équipes dédicacées qui vont jusqu'au bout des choses, qui vont essayer d'extraire le dernier pourcentage de tout, et qui sont des très grands professionnels par rapport à des besoins que nous tous exprimons. Je dirais, si on estime que L'Oréal ne fait pas quelque chose qui est essentiel pour la vie, il y en a qui peuvent penser comme ça, c'est parce que nous tous, comme consommateurs, allons acheter chez L'Oréal que l'entreprise existe. Donc, à partir du moment où on est dans un cadre et dans une mission qui est reconnue et qui satisfait un besoin de la société, ce que l'entreprise fait, c'est essayer d'optimiser les manières de le faire. Et je pense aujourd'hui avec de plus en plus de cohérence par rapport aux objectifs de développement durable. Ceci dit, le niveau de maturité est très différent dans des grands groupes et dans des PME, dans des start-up. Je pense qu'il y a beaucoup plus de professionnalisation peut-être dans les grands groupes et beaucoup plus d'émotion et d'implication dans les entreprises individuel. Je pense que c'est là aussi où, à l'Union Wallonne, on doit avoir un rôle, c'est d'essayer de faire percoler la professionnalisation vers les plus petites entreprises et l'envie des plus petites entreprises vers les grandes. On a trois cellules à la région Wallonne, qui sont les trois seules cellules, je crois, spécifiques, qui sont d'ailleurs sur le développement durable, sur l'environnement et sur la mobilité, avec le soutien d'ailleurs de la région. Donc c'est vraiment un sujet qu'à l'Union Wallonne nous importe. Et si à un moment donné dans l'histoire de votre société, on peut essayer d'aider sur le côté partage d'expérience, le site de l'Union Wallonne vise à ça, à faire du partage d'expérience. On ne peut pas être impliqué dans tous les objectifs de développement durable. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une vue sur l'ensemble. D'abord, pour moi, c'est vraiment une vue systémique. Et puis après ça, de pouvoir aider les entreprises sur l'un ou sur l'autre secteur. Oui, je voudrais rebondir parce qu'en regardant ce reportage, je pense aussi c'est que les enseignants sont interpellés. Donc moi, je viens de la faculté d'économie et on parlait de Candy, mais je pense qu'en bac, c'est toujours le cas, ou au moins dans certains cours, quand on vous parle d'entreprise, la première chose qu'on vous dit, c'est que la fonction d'une entreprise, c'est maximiser son profit, la différence entre le chiffre d'affaires, les coûts du travail et les coûts intermédiaires. Et donc, je pense que c'est dès ce moment-là qu'il faudrait introduire la grille des ODD, pour montrer en quoi cette grille des ODD vient transformer le processus des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être rentable, certainement pas, mais que ces questions-là doivent être sur la table dès le début, dès le premier cours.
Et je voudrais prendre un petit exemple. Vous avez peut-être suivi la question des investissements socialement, environnementalement et du point de vue de la gouvernance responsable labellisée. Il y a quelques années, il y avait une certaine frilosité disant ben, quand on investit dans ce genre de choses, on risque d'avoir un return moins important. Et en fait, les choses sont en train de changer. Parce que comme disait M. Mottet, quand on intègre les considérations de long terme et d'incertitude, en fait, on fait les bons choix. Et donc aujourd'hui, ces investissements qui sont labellisés ESG, environnement, social et gouvernance, performent aussi bien. Et donc il y a vraiment, je pense, une responsabilité pour l'entreprise, quelle qu'elle soit, d'intégrer ces considérations de long terme. Et ça devrait être dit dès le premier cours d'économie dans les autres écoles et les universités. Et je dirais même qu'il faut peut-être effacer une partie de l'histoire de l'économie. Philippe de Woot, qui était un des grands professeurs ici à l'UCL, disait qu'il faudrait fermer les écoles de commerce. Il faudrait fermer les écoles de commerce dans la mesure où elles perpétuent cette prix Nobel friedmanien qui était donné à Friedman à un moment donné, qui a influencé des générations après générations sur, en effet, ce sens de le seul but d'une entreprise, c'est de créer du bénéfice et du profit pour ses actionnaires. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'on n'a jamais été le cas. Et en tout cas, ça ne devrait pas être enseigné dans les écoles de commerce. Allô ? Allô ? OK. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Malheureusement, nous sommes contraints par le temps. Donc, je vais vous demander d'être très concis pour la dernière question. Je vais inviter Laura. Tu étudies à l'Université de Liège. Je t'invite à du coup poser la dernière question qui va clôturer cet échange jusqu'à présent très riche. Merci. Moi, c'est un peu la même question, dans le même sens que Luna. Il y a des entreprises qui intègrent vraiment les ODD de manière très profonde et d'autres qui le font plus superficiellement. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'elles doivent toutes faire de profonds changements au niveau de leur culture et de leur mission d'entreprise ? Je vais me permettre de répondre puisque je n'ai pas répondu à la précédente, mais je trouve ça très intéressant les deux dernières interventions de Mme Nissen et de M. Mottet, parce qu'on voit en fait le glissement sur la question du modèle économique, c'est-à-dire au départ, quelle est la finalité d'une entreprise dans la façon dont on l'a peut-être enseignée pendant des dizaines d'années avec du coup des générations un peu golden boy, un peu... Dans les années 80, on se rappelle de tous ces films américains aussi où Tom Cruise devait gravir les échelons de l'entreprise pour faire encore plus de profits et où on voit que progressivement, on a une prise en compte effectivement d'une dimension sociétale et collective beaucoup plus importante avec, je le précise, cette nécessité d'avoir une rentabilité, d'avoir une prospérité économique. Bien entendu, c'est essentiel pour la simple durabilité de l'entreprise elle-même, mais où progressivement, effectivement, Le modèle économique aussi est en train de changer, c'est-à-dire quelle est la finalité de l'entreprise, mais aussi sur quoi on se base, et donc les outils dont parlait Madame Zuinen dans la vidéo de Business Model Canvas qui sont en train d'évoluer pour intégrer dans le modèle économique lui-même ces défis des ODD ou ces défis sociétaux de façon plus générale. Et je pense que ça, c'est vraiment l'évolution qu'on doit sentir dans cette prochaine décennie. C'est l'intégration vraiment dans le modèle économique lui-même de ces différents ODD. Voilà. Merci beaucoup. Ah. Oui, désolé, malheureusement, on ne va pas avoir de temps pour que chaque panéliste puisse s'exprimer. Donc, un grand merci à vous d'être venu aujourd'hui. Merci à tous les étudiants et à toutes les personnes qui ont travaillé pour ce projet. Maintenant, j'aimerais revenir au petit sondage qu'on a fait au début de cet événement. Donc, je vais vous reposer la même question. Est-ce que vous pensez que les objectifs de développement durable sont un outil pertinent pour aider les entreprises à travers la transition ? Pendant que vous réfléchissez à cette question, je vais me permettre d'introduire nos deux intervenants pour la conclusion. Donc, on va terminer par une conclusion à deux voix. Celle d'une académique, sociologue, politologue à l'UC Louvain, la professeure Isabelle Ferreras, que j'invite à monter sur scène. Ses recherches portent sur le rapport au travail dans les économies de services et le gouvernement d'entreprise. Ses travaux rendent compte de la réalité de l'entreprise comme entité politique où capitalisme et démocratie s'opposent. Elle est également la présidente de l'Académie royale de Belgique. Le deuxième regard sera proposé par Betty Nguessan, étudiant à l'UC Louvain, qui, le 22 avril dernier, m'écrivait ceci, je cite, «
Étant moi-même à la base fortement orientée par l'aspect rentability at any cost, votre cours a suscité un éveil en moi. Et dire qu'au début du cours, je me demandais si cette matière allait vraiment m'être utile. Me voilà maintenant, des mois après, à faire un travail de fin d'études sur le sujet et à envisager des options de carrière dans ce domaine. Isabelle, on te laisse avant la conclusion, voir le résultat du sondage. Si vous pouvez maintenant faire votre choix. Ah, je vois encore une carte, deux cartes rouges. Quelques rouges. Voilà, Isabelle. Majesté, bonjour à tous, chers étudiants, chers collègues. Merci de m'avoir invité à venir partager mes réflexions en cette fin de matinée extrêmement riche. Je vous ai écouté très attentivement. C'était passionnant, vraiment. Bravo pour tout votre travail. Bravo en particulier de l'avoir fait dans cette période extrêmement compliquée où il a fallu tenir. Deux types de réflexions. Premièrement, je pense qu'on doit être tous d'accord là-dessus. Il y a un engagement sans équivoque de votre part et des enseignants qui sont avec vous. Valérie, évidemment, est clairement une leader en la matière pour s'engager dans cette mise en œuvre des objectifs du développement durable. Et de ce point de vue-là, je pense que, à répondre à la question mythe ou réalité, je pense qu'on est bien dans votre réalité. Et on sent combien aujourd'hui c'est important pour vous et combien vous ne pourriez pas imaginer de vous lancer dans la vie active sans que ce soit une partie fondamentale de votre apport en fait à la société. Ça, je pense qu'effectivement, ça encourage les plus âgés, les plus anciens, ceux qui vous ont précédé, qui n'ont peut-être pas pu toujours être attentifs à cela et qui aujourd'hui sont interpellés par vous. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut absolument vous inviter à continuer à réfléchir et surtout à agir, bien évidemment. Deuxièmement, sur la question justement de la responsabilité des individus. Là, je trouvais que nous avons entendu des choses extrêmement riches et je voudrais dire ceci. De ce que nous savons dans le domaine de la recherche en sciences sociales sur le travail, mais je pense que c'était très clair aussi dans ce que nous avons entendu aujourd'hui, les individus, en fait, sont extrêmement préoccupé par ces questions de sens, vous en avez parlé, ces enjeux de rencontrer les limites de la planète qui peuvent se traduire effectivement au travers des objectifs du développement durable. Ce qui est clair, c'est que dans toutes les grandes révolutions humaines, révolutions technologiques, révolutions au niveau de notre mode d'organisation, et c'est bien de ça dont il s'agit, on a toujours tablé, et c'est la seule recette sur le génie humain, on table sur effectivement ces personnes qui sont motivées, qui apportent à la société, à l'organisation, le meilleur d'elles-mêmes. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est vraiment fondamental de se rendre compte que les entreprises doivent faire aujourd'hui place à cette révolution humaine-là, c'est-à-dire doivent changer leur mode de structure, de structuration du pouvoir pour faire place à toutes ces personnes qui veulent peser sur les conditions de leur travail et les finalités de leur travail. Et on sait aujourd'hui, nous les étudions et nous les enseignons dans les écoles de commerce en particulier, il y a quantité de méthodes en gestion qui visent à impliquer les travailleurs dans les moyens, les meilleurs moyens de poursuivre des objectifs qui restent en fait bien trop souvent dans les mains de ceux qui apportent du capital. Or, ce sont ceux qui investissent en travail qui sont d'abord les premiers et les seuls qui sont gouvernés par l'entreprise, mais c'est eux aussi qui sont ces témoins en fait du long terme, d'une pensée, des objectifs, des finalités de la société et sur lesquels on ne donne pas accès au pouvoir de décider. Et donc aujourd'hui, ce qui me semblait très significatif dans tout ce que vous avez dit, c'est de voir cette jeunesse qui est là et qui est aux portes du monde du travail, qui est aux portes de l'entreprise et à laquelle il nous faut absolument en tant que société offrir une pleine place, c'est-à-dire d'être des citoyens dans l'entreprise et donc de continuer à ce projet que l'on peut appeler un projet de démocratisation des entreprises pour que cela nous permette de effectivement rencontrer les objectifs du développement durable qui sont rien de moins que rencontrer les limites de notre planète pour que nous puissions continuer à vivre ensemble sur celle-ci. Merci à vous. Merci, chers tous et toutes, votre majesté.
je vous dis bonjour. Donc, j'aurai la tâche de résumer tout ce qui a été dit. J'espère le faire de la manière la plus concise qui m'est possible. Donc, le premier constat est que les 17 objectifs de développement durable sont encore méconnus par bon nombre d'acteurs. Deuxièmement, on peut dire qu'il existe de très grandes entreprises qui l'utilisent, mais plutôt à des fins marketing. À cet effet, vous, nos dirigeants, vous, nos élites, nos politiques, quelles sont les mesures que vous mettez en place afin de contrôler justement toutes les actions dans ce domaine? Également, existe-t-il des mesures d'accompagnement pour les petites entreprises ou des entreprises d'une plus petite taille qui, elles, veulent s'inscrire véritablement dans la durabilité, mais qui font face à des géants dans le domaine? Les chiffres du GIEC sont clairs. Si rien n'est fait, d'ici quelques temps, nous n'aurons plus de planète, plus de forêts, plus d'eau, plus de nourriture à léguer aux générations futures. Il y a une urgence. Cela nécessite donc que la durabilité n'est plus une option ni une alternative, mais une obligation. Un changement de mentalité s'impose. Comme le disait le professeur Philippe de Hout, il faut repenser la finalité des entreprises. Concernant les solutions qui ont été évoquées tout le long de cette journée, on peut dire qu'il faut mettre en place des modèles régénératifs, mettre fin à la société de surproduction et de surconsommation, également durcir les lois au niveau de l'écologie. Et concernant la formation et la sensibilisation, il faut l'intensifier à tous les niveaux. On pourrait par exemple penser à mettre en place un service citoyen écologique. Et voilà des mesures qui nous semblent justes, qui pourraient permettre vraiment de changer les choses. Si je pourrais terminer mon propos, je dirais, bien vrai que les hommes, dans leur folie ou dans leur quête de croissance, ont commencé à entreprendre des voyages sur la Lune et sur Mars, je ne pense pas qu'il soit souhaitable ni possible d'y vivre. Nous avons une terre, un paradis, c'est à nous d'en prendre soin. Merci. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en venant assister à cette, peut-être certains d'entre vous non plus d'ailleurs, hein, et j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi à la fois dans la mise en œuvre. Je crois que la professeure Valérie Swann va adresser quelques remerciements à l'un et l'autre qui ont aidé à la préparation de ceci. Je trouve aussi que nos débats ont été particulièrement riches. C'était pas, il y avait du vrai contenu, il y a des choses qui ont été dites, hein, donc on le sait, c'est connect, commit, change. Moi, j'ai entendu du commitment, j'ai entendu des gens qui s'engageaient, j'ai entendu du change, particulièrement dans le panel des étudiants, il y a du change en route. J'ai entendu des commitments, y compris de nos panélistes, hein, donc du président de l'Union Wallonne des entreprises, de la ministre Tellier, de la prorectrice à l'enseignement, et à la prorectrice à la transition et à la société. Donc vraiment, je trouve que c'était une séance ce matin très extrêmement riche. Je voudrais avant tout, très sincèrement, très chaleureusement, au nom de l'université, au nom de Shift, au nom de toutes les universités présentes, au nom de tous les étudiants et de la salle et de ceux qui ont assisté à cette séance, vous remercier très chaleureusement, Majesté, pour votre présence. Je crois que c'est aussi votre présence qui a amené tous ces débats, qui a amené toutes ces préparations, et c'est votre présence qui nous a encouragés à mettre en œuvre ce que nous avons vécu tous ensemble ici ce matin. Je voudrais remercier les trois panélistes parce qu'ils ont été un petit peu mis sous le feu par moment, on l'a vu, hein, donc à la fois lors des vidéos, lors des questions après les vidéos, et donc on le sait, c'est un changement, ce sont des évolutions qui sont nécessaires, qui sont collectives et qui vont devoir mobiliser tous les acteurs de la société, vous en êtes le représentant de certains d'entre eux, et on sait aussi que ce sont des évolutions qui les mettent en tension. On l'a très bien vu lors de certaines des questions, lors des engagements, lors des assertions qui ont été formulées, mettre en tension dans un environnement démocratique qui doit nous permettre de collectivement se mettre d'accord, s'engager collectivement sur les directions à prendre. Voilà. Et puis je voudrais aussi bien sûr remercier, j'ai trouvé que la mise en place ici, de les voir les 17, hein, parce que vous devez être 17, puisque les 17 objectifs avec vos t-shirts qui étaient repris aussi dans les différentes vidéos, voilà, ça donne vraiment vie et corps vraiment à le sens que nous voulons donner, que nous avons voulu donner à cette cérémonie. Je laisse, avant que nous ayons le plaisir d'avoir peut-être une photo en présence de Sa Majesté et la signature du livre d'or, laisse la parole à la professeure Valérie Swann qui a organisé cette séance.
Merci. Donc, effectivement, je vais prendre juste 2 minutes pour remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cet événement. Bien sûr, les professeurs des différentes institutions que je retrouve dans la salle, Jean-Luc, Cécile, Perrine, Lara, Cécile, et j'oublie quelqu'un, non, je pense que j'ai cité tout le monde. Bien sûr, les différents participants dans les vidéos. Hein, il y a 17 étudiants ici qu'on remercie vivement d'être là, mais avec les retards pris de l'événement, effectivement, il y a des étudiants qui étaient déjà dans la vie active et qui ne pouvaient pas nous rejoindre, qui ont également participé. Il y a également des vidéos qu'on n'a pas pu passer pour l'UNAMUR et pour l'UC Louvain, et également, donc, du coup, des acteurs qui ont été mis à contribution et qu'on n'a pas pu montrer ce soir. Et bien sûr aussi, tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre, qui ont fait un travail exceptionnel depuis les coulisses, et je ne vais pas tous les citer, sinon je vais en oublier. Mais bien sûr, je ne peux pas ne pas citer Benoît, notre chef d'orchestre. Merci à tous. Monsieur le recteur, je vous invite à... Oui, Majesté, si nous pouvons vous inviter juste un moment pour signer le livre d'or et avoir un moment de souvenir pour les étudiants. Vous allez rester assis ou vous allez vous lever ? Non, vous allez vous lever. Très bien, formidable. Voilà. Donc... Chère Majesté, je vous propose de venir ici. Nous avons bien sûr peut-être le micro. Le micro. Oui. Nous avons un micro si vous voulez d'aventure dire un petit mot. Eh bien, je voulais vous remercier tous et toutes aujourd'hui, et surtout vous, les étudiants, pour votre engagement, parce que ça me donne vraiment énormément d'inspiration pour ma mission en tant qu'avocate des objectifs du développement durable, votre engagement, et puis aussi également pour vous, parce que je pense que c'est ensemble, c'est les acteurs du monde politique, les acteurs du monde privé, les acteurs du monde universitaire, c'est ensemble qu'on va pouvoir construire ce monde de demain. Vraiment, merci et merci à vous d'avoir aussi organisé cet événement qui était vraiment extrêmement intéressant pour moi. Alors, on termine par le petit présent qu'on voulait vous remettre. Donc, vous trouvez d'abord le jeu, un jeu CAP 2030 sur les objectifs de développement durable, auquel vous pourrez probablement jouer avec vos enfants. Il vous est offert par l'association 21, et plus particulièrement Antoinette et Sandra, qui sont venues animer en pleine crise du Covid un jeu où certains étudiants ont participé. On n'a pas pu diffuser cette vidéo. Et bien sûr, le T-shirt de l'objectif 17, celui sur les partenariats, car grâce à votre demande, nous avons organisé cet événement, en collaboration avec l'Université de Mons, l'Université de Liège, l'Université de Namur, l'EFEC et l'UC Louvain. Donc avec ces 4 autres universités hautes écoles, grâce à vous, nous avons vraiment commencé à se connaître, à voir les initiatives qu'on mettait en place chacun et à découvrir de très belles personnes qui cherchent au quotidien à conscientiser et à former la future génération de leaders. Merci à vous pour tout cela. Merci. Ici plutôt. Merci. Merci. Au revoir. Ça s'est bien passé. On a couru un peu à la fin.